Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma quatrième et dernière semaine de novembre, ainsi que le bilan général du mois de novembre, le budget du mois de décembre et le remplissage pour la première semaine de décembre, et ainsi que pour le début de mois pour certaines catégories dont on parlera juste après. Avant de commencer tout ça, je me présente, donc je m'appelle Amy, j'ai 29 ans, je suis en couple, nous avons un chat. Nous avons un budget séparé, c'est-à-dire que dans mes vidéos, vous ne verrez que mon budget personnel et non pas celui de monsieur. Je tiens à préciser d'ailleurs que je ne paye pas de loyer puisque mon compagnon est propriétaire, qu'il ne souhaite pas que je participe aux frais de prêt immobilier et je ne participe pas ou très peu aux charges générales, donc électricité, eau, etc. Je participe pour l'alimentation principalement et les loisirs. Je voudrais aussi vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir. Je sais que c'est pas toujours évident de s'abonner à une nouvelle chaîne quand on ne connaît pas le concept. Maintenant, si le sujet vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, ça me fera plaisir. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à liker et commenter. Ça me fait toujours plaisir. Alors, commençons par le commencement. Donc en alimentation cette semaine, on va parler de la semaine 1. Après, je vais vous parler d'un sujet général. On va faire le bilan de cette semaine, non, pas semaine 1 d'ailleurs. Dernière semaine de novembre. D'ailleurs, j'ai un peu chié dans la colle, excusez-moi de l'expression. J'avais compté 4 semaines pour ce mois-ci et 4 pour le mois prochain. C'est pas du tout. Pas du tout. On est le 28 novembre. Normalement, j'étais censée avoir une cinquième semaine, pardon. Sauf que comme j'ai fait mon budget en fonction de plein de choses, du coup, ce sera pour le mois de décembre qu'il y aura 5 semaines. Et puis, c'est tout. Ce petit billet-là, c'est un cadeau de la part de mon chéri. Donc moi, de mon côté, il me reste normalement 20 et quelques euros. Donc j'ai 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 15, 16, 17, 18, 19. Hop là, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vais le noter juste après. Donc on en est à 20, 10, 20, 30. Hop. Tac. 40. 42, 44, 46, 47, 48, 49, 49. Donc 20,49 € restants, plus le billet de 5 de la part de mon chéri. Dans les jeux, vous saviez qu'il n'y a plus rien déjà depuis la semaine dernière. Voilà. Dans animaux, je n'ai rien dépensé. Donc les sous sont toujours là. Dans divers, j'avais dit que je gardais tout ça. On va vider juste après, puisque je n'ai pas dépensé dans cette enveloppe cette semaine. Le défi de 5 euros, on va y revenir. Et ça, je vais vous expliquer après ce que c'est. Mais en gros, pour le moment, je n'ai pas dépensé tant que ça. J'ai juste dans cette enveloppe-ci, dans ce carnet-ci, pardon. Donc, hop. Dans Noël et anniversaire, il me restait 50 euros. J'ai payer ma part du cadeau de mon papa pour Noël, donc il me reste 20 euros dedans. Au-delà de ça, dans santé, je n'ai rien dépensé. Animaux, voilà. Week-end des vacances, j'avais déjà plus rien. Voiture, j'ai rien dépensé. D'hiver, c'est dans l'autre classeur. Je vous avais dit la semaine dernière que j'étais pas allée chercher mes gains, donc il y a 10 euros. Voilà. Pour octobre, j'ai rien sorti. Pour novembre, j'ai rien sorti. Pour décembre, il y a les 10 euros de ce mois-ci. Et ça, c'est une enveloppe générale. Voilà. Oui, il y a tout le reste de mes fiches mensuelles. Enfin, pas de mes fiches, mais de mes visuels mensuels plutôt. Voilà pour ça. Dans Bonux, ça n'a pas bougé Bonux. 100 euros. Non, ça n'a pas bougé Bonux. Voilà, j'ai toujours des 100 euros. Ça ne va pas durer puisque je vais vous expliquer juste après ce que je vais en faire. Donc pour cette semaine de manière générale, il y a juste une chose qu'il faut que je vous dise. Donc le défi de 5 euros,
Vous savez que je garde mes billets de 5 euros pendant un moment. Et donc finalement, comme j'ai décidé qu'au mois de décembre, ça allait changer un petit peu, j'ai été échanger mes billets de 5 contre des billets de 10 ou 20 euros ou 50. Et normalement, ce défi de 5 euros servait pour payer un cadeau de Noël à mon chéri. Sauf que, comment vous dire, qu'on pense que quelqu'un de notre entourage va me couper l'herbe sous le pied, donc je ne peux pas lui acheter ce cadeau. Donc à la place, on a décidé que j'investirais dans une échelle pour notre garage, parce que l'échelle qu'on avait, moi j'ai peur dessus, donc du coup, il nous fallait une autre chose de plus stable. Et donc c'est ce que j'ai fait, du coup j'ai acheté ça, et c'est vraiment génial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On adore notre nouvelle échelle. Donc au moins je peux monter dans le grenier sans avoir peur de tomber. Et ça, c'est une bonne chose. J'ai aussi investi dans deux vêtements, donc un chemisier et un sweat à capuche. Donc ça m'a coûté 50 euros. L'échelle m'a coûté 70 euros et des brouettes. Et je suis allée chercher du kebab hier soir. Kebab qui a eu du mal à passer d'ailleurs, soit dit en passant. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, le kebab lui-même était très bon, le tacos ne l'était pas tellement. Du coup, j'avais échangé mes sous, enfin, j'avais échangé 150 euros en billets de 10 et 20, etc. Et donc, j'ai de la monnaie de ce défi de 5 euros. Mais je vais y revenir après. Donc voilà. Tic, là. Je vais revenir pour le bilan du mois, du coup. Puisque, techniquement, c'est pas prévu que je fasse comme ça. Et donc de base, on va faire ça en bilan du mois. Alors, on va remplir les petits défis. Alors, le petit défi. On y est. Donc, 2, 4, 6. Non, c'est les 50 centimes qu'il faut d'abord. Donc, 50. 50. 50. Bidou. Je vais mettre les pièces de 2 ensemble, les pièces du 1 ensemble. Les billets de 5 ensemble. Et je vais reprendre ma petite fiche. Là. Vous savez, je note mes économies du mois. Bon, bah, moi, bonus, du coup, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Je vais faire une semaine de plus en décembre, comme je vous l'expliquais juste avant. Donc, nous avons là le reste des centimes. Donc, ça, c'est bon. Alors, les pièces de 50. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 de plus, il est entier. Un cœur de rose. De rouge. Donc, 5 de plus. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a dépassé les 10 euros. Et on est à 9, 50, 10, 11, 12. 12 euros. Voilà. J'avais oublié de dépasser, c'est pas grave. Vous avez l'habitude. Donc, ça, c'est pour le défi des 50 centimes. Donc, je le pose ici parce que je vais en avoir besoin après. Donc, 50 centimes, ça va là. Je mets ça dans mon intérieur directement, comme ça, ce sera fait. Juste de base, il y avait 13 euros. Et maintenant, elle affiche 15,50. Donc, c'est ça, 2,50 de plus. Du coup, les pièces de 1 euro, je disais. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4 de plus. Donc, tac, 1, 2, 3, 4. Tac, on a atteint les 15 euros, ça nous fait donc 18 euros. Les pièces de 2 euros, 1, 2, 3. Donc, ça nous fait 6 euros de plus. Ça nous fait 6 euros de plus, ça nous fait 46 euros. Hop, je mets ça dans ma tirelire et je passe à la suite. Donc il y avait 15,50 juste avant, là il y a 25,50. Je n'ai plus les comptes en tête, mais je crois que les comptes sont bons. Ensuite, le défi des 5 euros, de nouveaux billets. 1, 2. Donc ça nous fait 195. Mais comme vous le savez, j'ai enlevé des billets, donc je vais y revenir juste après. Et pour les centimes, donc 4, 6, 8, 10, 1 euros. 2, 4, 6, 8, 10, 2 euros. 2 euros, 10, 20, 30, 40, 50, 60. On va mettre 2 euros. 2, 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 25, 15, 20, 25 centimes, 1, 2, 5, je vais dire, 25 centimes, 1, 6, 7, 1, 9, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 39 centimes, tic, se chauffer, 1, 2, 3, 4, 5, plus, 60, 260, plus, 260, 2, 2, 2, 210, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 7, 9, 2,89 de plus, tac, 2,89 de plus, donc on était à 12, 12, 77, plus, 2,89, on serait à 15, 66. Hop. Donc 15,66.
On va vérifier quand même tout ça. Voilà, donc 15, 76. Donc si je fais ça, 5.76 moins 9.38, ça me fait 6,38 € pour le mois de novembre. On est déjà bien, sachant que j'ai pas fini comme je vous l'ai dit. Hop, alors ça c'est pareil, ça va dans ma tirelire. Je vous reprends juste après. Donc pour le moment, elle affiche 2,78. Hop là, donc elle m'affiche 5,30 €. Vous le savez déjà de la semaine dernière, elle n'était pas à la bonne, au bon compte. C'est pas grave. Je ne vais pas en faire une jaunisse. Donc j'ai juste oublié par contre de noter ce que j'ai eu de plus. L'enveloppe du mois 0. Donc, ce qui me fait un total pour cette semaine pas très gros. Donc 20,39 € à moi toute seule. Plus 5. Donc le total du mois. Donc ça c'est 96,78 plus hop, donc plus 15. Plus 15 de la part de mon chéri, ce qui nous fait 111,78. Voilà. Donc je vais attraper mes autres fiches. Voilà. Donc, hop, cette fiche-là, tuc. Donc il y avait 0 de plus, ce qui me faisait 10 euros. Donc là, vous voyez que j'ai noté, enfin, je ne sais pas si vous voyez, j'ai noté les dates du coup de mes semaines. Voilà. Donc c'est pas mirobolant non plus. Quand on se trompe, hein, mais c'est pas grave. Donc récap, truc. Donc pour le mois, on a donc 111,78. Je vais mettre 96,78 puisque techniquement, c'est ce que moi j'ai économisé. 78, voilà. Et le bilan total, le récap des défis. Je suis désolée si ça s'assombrit. Dehors, il pleut inverse. Il y avait un petit soleil tout à l'heure, mais il est parti se cacher. Donc voilà. Donc le mois bonus, il y a ce haut. De 28 plus 450. Je vais aller allumer la lumière, moi, parce que on ne se voit plus. Donc, je disais, ça nous fait. Donc, ça me fait quand même un total de 196,78 78, pardon, plus 15. Donc ça c'est vraiment, enfin c'est même pas que pour le mois, si c'est que pour le mois, je suis bête moi, je vais dire une bêtise. Donc maintenant on va s'amuser à, ah, je vais vous montrer ça, tiens. Donc on voit que pour le mois de novembre, du coup mon budget est bien clôturé, je ne suis pas en négatif, heureusement pour moi. Je sais qu'on m'a dit qu'il faudrait mieux que je pose ma feuille sur la table. J'essaie de la maintenir pour que ça soit pas mal. Brefon, alors, on va repartir sur tout ça. Donc en théorie, mon budget est au trimestre. En pratique, vous allez voir qu'il va y avoir des petits changements par-ci par-là. C'est pas grave. Je sais pas si j'attends 2023 pour faire ces changements. On va voir ça. Ce qui est sûr, c'est que, hop, en termes de changement, alors,
Le défi des centimes, lui, il va rester ici. Je vais vous parler des changements tout de suite au niveau des défis. Ça va être plus simple. Par contre, bon, je ne l'ai pas reporté pour aujourd'hui. Donc, les défis de 50 centimes, ainsi que le défi des 1 euro, celui des 2 euros et celui des 5 euros vont changer. Ils sont tous regroupés maintenant sur un seul et même tracker. Et j'ai décidé que pour les défis de 50 centimes, j'aurai maximum 10 euros de garder à la maison. Pour les défis de 1 euro, j'aurai maximum 10 euros, pardon. Pour les défis de 2 euros, j'aurai maximum 20 euros. Et pour les défis de 5 euros, j'aurai maximum 50 euros en pièces, en billets de 5, pardon. Les pièces, c'est maximum 20 euros en pièces de 2. Les 1 euro, c'est maximum 10 euros en pièces de 10, non, pièces de 1, pardon. Et les défis de 50 centimes, c'est maximum 10 euros en pièces de 50 centimes. Voilà. Donc ça, c'est le petit changement. Pardon. Donc il faut que je fasse les petites modifications. Donc dorénavant, il me restera ces deux trackers là. Et ceci, je ne m'en servirai plus. Parce que les montants vont trop haut et que on arrive en période de Noël. Vous n'êtes pas sans savoir que les périodes de Noël ou d'été sont propices aux conneries par d'autres gens. Voilà. Pour ne pas citer le cambriolage par exemple. Donc j'ai pas très envie que si un jour ça nous arrive. J'ai pas envie que ça nous arrive tout court, hein. Ça ne nous arrivera pas, je l'espère. Mais bon, si jamais, au moins, j'ai pas envie d'arriver jusqu'à. Enfin d'attendre d'arriver jusqu'à 300 euros. Sachant que là, si j'avais attendu, j'aurais donc 195 euros à la maison. Rien qu'en billet de 5. 46 euros en pièces de 2, 14 euros en pièces de 1 et 12 euros en pièces de 50 centimes. Donc vous allez vous dire peut-être que c'est un peu extrême, mais je préfère être comme ça et clair avec moi-même. Que faire n'importe quoi. Après, il n'est pas impossible que je change les billets de 5 euros en billets de 50 euros, ou de 20 euros, ou de 10 euros quand j'en ai. Là, par exemple, j'avais fait le change sur 150 euros. Donc, je vais le vider après, mais voilà. Donc là, c'est le restant de mes billets de 5. Et là, c'est la monnaie de ce que j'ai dépensé avec mon change en fait que j'ai fait en billets de 10, en billets de 20, etc. Bref, j'espère que c'est assez clair pour vous. En tout cas, ça l'est pour moi. Même si je me suis un peu enverlificotée comme d'habitude. Donc ça, je vais les modifier afin de pouvoir vous faire le topo pour le mois de... Enfin, pour les pièces qui me restent, du coup, que j'ai pas encore changé. Je vais vous montrer ça après. Je reviens tout de suite. Donc, je viens de vous parler de mes défis de 1 euro, 2 euros, 5 euros, etc. Donc, il est temps pour moi de vous présenter mon nouveau classeur, qui sera mon meilleur allié, du coup, maintenant. Donc, hop, il est tout simple. Quand j'aurai des pièces, maintenant, ils iront dans ce classeur-là. Enfin, elles iront dans ce classeur-là. Voilà, sauf les défis de centimes. Ça ira ailleurs. Et donc, je me suis amusée à faire des petites choses par-ci, par-là pour avoir à échanger des sous-sous contre mes défis. Sachant que normalement, par exemple, pour mon défi de 50 centimes, là, il a atteint les 10 euros largement. Ce qui fait que normalement, j'aurai donc un billet de 10 plus des sous-sous à côté, des pièces de 50 centimes, jusqu'à avoir les 10 euros en question. Qu'est-ce que je vais faire des pièces en question? Bah, soit je vais les remettre sur mon compte en banque, soit je vais tout simplement les réinjecter dans mon budget. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre, je sais pas moi, 20 euros en billets, bah, je vais mettre 20 euros en pièces pour que quand j'irai faire mes courses, je dépense exclusivement mes pièces en priorité, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc du coup que j'ai la monnaie réelle dans mon porte-monnaie de mes courses. Donc voilà, quand je vais à Hyper-U, on a des machines, les caisses rapides. Donc c'est des machines qui comptent. Moi je mets tous mes sous dedans, toutes mes pièces du moins. Au premier round que je fais là-bas, et comme ça, ça me permet de dépenser mes pièces de façon régulière et de réinjecter justement peut-être des billets si la machine me rend des billets. Bah, du coup, comme je l'avais fait une fois, je vous avais fait une petite aparté sur ce sujet-là il y a quelques semaines, j'avais été mettre toutes mes pièces dans une machine, j'avais pour 50 euros de pièces, j'en avais eu pour, je sais plus, 19 euros, je crois, de course,
Et donc, la machine m'avait rendu 30 euros en billets et la monnaie en pièces de ce qui me restait, quoi. Donc, c'est comme ça que je vais procéder, je pense. Et ce sera beaucoup plus simple pour moi. Et les défis de 1 euro, 2 euros, 5 euros et 50 centimes serviront pour je ne sais quoi encore. Ce qui est sûr, c'est que même pour les défis des centimes, si je garde 10, enfin, si j'ai 10 euros, comme là, c'est le cas, j'ai atteint 10 euros, je vais prendre 10 euros en petites pièces à mettre dans la machine à Hyper-U. Je passe à la suite de ma vidéo du coup. Donc, on va s'amuser à vider les enveloppes qu'il y a à vider, puisque je n'ai toujours pas vidé mes enveloppes du mois. Hein. Voilà. Donc, si je vais juste vite fait mettre ça, parce que je vous ai expliqué le concept du coup. Donc, hop. Ouais, je vais les mettre de côté. On verra ça après. Là, je sais que ça va dans mes défis. Donc, on va s'occuper de ça après. Donc, il y a. Dans l'alimentation, du coup, je l'ai vidé. Dans jeu, je n'avais plus rien. Tac. Dans animaux, il me reste 20 euros. Tac. Qui vont aller directement dans ce classeur-ci. Là. Hop. Ça, c'est le cumul au cas où j'ai besoin pour Mango, pour mon chat. Hop. Donc, ça va ici, dans cette petite enveloppe-là. 1 euro que je cumule en fait sur un trimestre au final. Voilà. Je ne cumule pas tout, mais il y a des choses que je cumule et ça en fait partie. Ensuite, divers. Il reste 9 euros et des poussières. Donc ceux-là, je vais les sortir. Je ne vais pas cumuler, je ne vais pas m'embêter le mois prochain. Hop, ça va aller dans mes défis. Hop, divers. Le défi de 5 euros. Ben, ça, c'est pareil. Donc j'ai la monnaie de mes changements. Zuc. Donc ça c'est à réinjecter. Le défi de 5 euros. D'ailleurs en passant, je vais mettre mes deux billets que j'ai dans mon défi de 5 euros. On y revient juste après, hein. Je vais remplir mes défis avec vous. Donc le mois bonus. Donc il y a toujours les 100 euros. Ça je les laisse ici. Hop. Donc 100 euros. Je les laisse ici puisque je vais en avoir besoin pour le mois de décembre. Vous savez que je les garde ces sous-là pour si jamais comment dire, si jamais on a un colis de viande et ou si on doit aller chercher un gros stock de viande ou si on va au déstockage alimentaire par chez mes parents. Donc dans Noël, il me reste 20 euros qui vont rester ici puisque même si les cadeaux sont terminés, il restera notre part à payer pour le repas de Noël. Et puis en même temps, ça me permettra aussi d'avoir un petit budget pour le repas qu'on fera avec les frères de monsieur pour le 24 décembre. Même si c'est pas, enfin techniquement, c'est pas vraiment un réveillon, c'est juste un moment pour se retrouver tous ensemble. Voilà, on n'a pas l'intention de fêter Noël. C'est pas leur truc dans la famille, donc moi je leur propose juste un repas le 24 au soir. S'ils veulent, sans considérer que c'est un réveillon, sans considérer qu'on fait ça pour avoir des cadeaux ou je ne sais quoi, on fait juste ça pour se retrouver en famille et tout simplement, bah voilà, passer un moment ensemble, un moment de partage. Voyez? Dans ma famille, ça se passe autrement, mais du côté de monsieur, et je respecte tout à fait, personne n'aime Noël, moi je suis mitigée par rapport à Noël, donc. Je ne vais pas les forcer à faire un réveillon en mode ah, joyeux Noël, gnagnagna. Non, voilà, je vais pas. Chacun a ses convictions et ça se respecte. Dans santé, il me reste les 10 euros, je vais les sortir. Dans Animox, du coup, bah, je l'ai changé tout à l'heure, donc il y a les 20 euros de base voilà, qui vont rester là, même si on n'aura pas besoin de racheter de litière et de croquettes avant très longtemps, puisqu'on a fait un gros stock. Week-end des vacances, c'était vide. Voiture, il y a 20 euros, mais ça va rester dedans. Divers, il y a, je suis arrivée, rien du tout puisque c'est retiré ici. Hop. Dans jeu, donc c'est ma cagnotte de jeu. Elle, il y a 10 euros, je vais les retirer. Je vais les mettre ailleurs. Non, octobre, il y a 30 euros. Donc je vais les retirer aussi. Dans novembre, il y a 10 euros que je vais retirer également. Voilà. Et dans décembre, bah, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout puisque
j'ai pas besoin d'attendre décembre. Donc ces deux enveloppes là, je vais les virer. Hop, une, deux, novembre, c'est fini. Il reste décembre. Donc ça, tac, ça va par là. Hop. Normalement, je sais que je devais garder pour le mois d'octobre et tout ça, mais les sous-sous là vont aller dans le bonus. Donc les 10, 20, 40, 50, 60, 70 euros vont aller dans mon bonus. Puisque je vais sûrement avoir besoin de ça pour justement, je vous disais que je vais chercher de la viande de poulet, enfin des poulets d'ailleurs, fermiers à la ferme en mi-décembre normalement. Donc j'en ai commandé pas mal. J'en ai commandé 7 au total, dont 5 pour nous et 2 pour un beau-frère. Un de mes beaux-frères, donc du coup, je prévois large. Et puis à la fin du mois de décembre, on verra ce qui restera dedans. Et puis si jamais j'ai eu envie d'aller m'acheter 2-3 petites choses, et bien au moins j'aurai ce qu'il me faudra sur le côté. Donc le défi de 5 euros va être à nouveau rempli, comme vous l'avez deviné. Comme vous l'avez deviné, lui, il va être rempli à nouveau. Donc 5, 5, 5, ça fait 15 euros de plus. Tic. Donc le défi de 5 euros. Je mets ça dedans, je ne note pas pour l'instant, je vais renoter après, je vais recompter. Je vous ai expliqué juste avant, donc là j'ai plus rien du coup en monnaie par rapport à ça. Et mon défi de 2 euros et 1 euro et 10 centimes, je vais tout recompter, comme ça je saurai. Et je vais vous redire du coup combien je mets de sous-sous de côté. Voilà. Donc ça, c'est les mois précédents. Donc c'est des défis des 1 euro et des 2 euros. Donc je vais les réinitialiser, c'est pareil. Ça va aller dans le mois bonus, pardon. De façon à pouvoir avoir une petite réserve quand même de sous-sous. Hop. Alors, et de ne pas avoir besoin de remettre ça sur mon compte en banque. Donc je vais compter combien j'ai de pièces de 2, combien j'ai de pièces de 1, et je vais vous dire ce que ça donnera comme modification à mon budget. D'ailleurs, juste en passant, vous vous doutez bien que toutes les pièces ne sont pas là, évidemment, elles sont ici. Voilà. Je vais tout remettre dans mes tirelires, tout recalculer. Et je vous retrouverai, je pense plus tard, là je vais aller manger. Et je vous retrouverai donc plus tard avec toutes ces petites choses et ces petits dates de 10 ou 20 euros pour que vous ayez une idée de ce que ça représente, toutes ces petites pièces ainsi que celle-ci et celle-ci. À tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Et me revoilà quelques heures plus tard. Il est actuellement 15h52. Nous sommes toujours le 28, nous sommes toujours lundi, et vous voyez toujours cette vidéo le 29 novembre 2022. Sauf si vous n'avez pas regardé la vidéo le jour de sa sortie. Donc j'ai effacé mes trackers, voilà, du défi des centimes et des autres défis, et j'ai fait des petits tas de sous-sous correspondant à la somme que je vais échanger en billets pour ça, pour aller faire mes courses. Donc nous avons au final 40 euros, voilà, que je vais échanger en billets. Donc 40 euros, je vous remets ça là. Donc ça c'est des défis des 50 centimes. Donc 40 euros, je vais aller les chercher dans mon classeur. Donc voilà, j'ai sorti quelques sous-sous. Donc nous allons reprendre ce classeur-ci du coup. Hop, donc pour le défi des 2 euros, j'ai pris 20 euros à la place. Tac. Donc défi des 2 euros. Hop, défi des 2 euros, il est là. Tic. Le défi des 2 euros, il est ici. Tic. Ensuite, le défi des 50 centimes. Donc j'ai 10 euros. À mettre à la place.
Donc, c'est simple. On ouvre, on met ça à la place. Tac. Et le défi des centimes, je n'ai pas fait d'enveloppe. Je vais en faire une de suite. Hop, le défi des centimes, du coup, on aura 10 euros. Tac. 10 euros. Qu'on va mettre ici. Hop. Voilà. Donc ça, on a le défi des centimes, le défi des 50 centimes, on a donc 10 euros, le défi des 1 euro, il n'y a rien du tout, et le défi des 2 euros, où il y a 20 euros, le défi des 5 euros, pour le moment, il n'y a rien. Mais c'est parce que je n'ai pas encore fait les changements de placeur. Donc maintenant que ça c'est fait, que c'est trié, que c'est compté, je vais mettre ça sur le côté. Puisque vous l'aurez compris, ça me servira pour mon budget de cette semaine. Voilà, donc je les ai mis dans ma tirelire là-bas, ça ira dans le sachet plus tard, que j'emmènerai avec moi faire mes courses. Et donc je vais pouvoir remplir mon défi des centimes et des euros pour le mois d'octobre du coup. Donc en pièces de 2 que je n'ai pas échangé, il me reste 6 euros, donc 3 pièces, 1, 2, 3 pièces, voilà, que je vais mettre tout de suite ici. Hop là, alors il est où? Le défi des 2 euros, il est ici. Tac. Donc ça me fait 26 euros. Ça. Ensuite, le défi des 1 euro. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces de 1. Donc 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pièces de 1 euro. Tac, qui vont aller juste ici. Les pièces de 50 centimes, il en reste 1, 2, 3, 4, 5 pièces de 50 centimes, 1, 2, 3, 4, 5, donc ça me fait 2,50 €. Du moins pour ces pièces là voilà, donc c'est parti dans le défi des 50 centimes. Ici, je ferai le tri à l'avenir. Et donc, il me reste tout ça en centimes. Donc, il faut juste que je compte combien j'ai en défi des centimes. Hop. Et que je le note après. Donc, en défi des centimes. Ce qui me fait un total de 5,97 € restant. Voilà, pas compliqué, hein. Voilà, donc je les ai répartis ici, dans cette boîte-là. Hop, on ferme la clé et on n'en parle plus. Alors, donc ça, c'est bon. Il me reste juste le défi de 5 € du coup à modifier. Il est ici. Hop. Le défi de 5 €. Donc là, je n'ai plus rien. Tac. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 40, 45, 50, 55, 60. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 billets. Donc j'ai 50 € à interchanger. Hop là. Un billet de 5. De 50, pardon. Et le billet de. Et deux billets du coup de 5 pour le défi des 5 €. À mettre ici.
Tac. Donc le défi des 5 euros, il est juste ici. Tac. Donc lui, c'est un billet de 50 qui va rejoindre cette catégorie. Voilà. Et donc, pour ce classeur des défis, c'est terminé. Ensuite, pour le défi de 5 euros, du coup, je remets finalement dans cette enveloppe le cumul à faire. Hop. Défi de 5 euros. Voilà. Donc, mes billets de 5 euros. Que vais-je en faire? Vous me direz-vous. Eh bien, écoutez, je vais aller les poser à la banque. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Je vais les poser à la banque et puis je vais retirer 50 euros. Voilà. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu un billet de 5 euros qui n'est pas passé à la banque il n'y a pas longtemps là. Parce que quand je suis allée mettre tous les 5 euros de mon défi de 5 euros, eh bien, j'ai eu un billet qui n'a pas été repris parce que il était scotché. Donc, il est parti à la Banque de France. Voilà. Donc, là, je viens de vérifier vite fait. Normalement, j'en ai aucun qui peut paraître faux en termes de scotch, du moins. J'en ai pas qui est déchiré, donc... Voilà pour ça. Donc j'ai juste à les reprendre pour mon budget et puis les remettre dans mon budget classique, on va dire. Hop. Alors, du coup, maintenant, on en est là. Dans le bonus, j'ai combien de sous au final avec tout ça? 20, 40, 50, 100, 110, 120, 130, 140, 150. 170, 180, 190, 210, 210, attendez. Hop, hop, ça. Tuc, voilà. Donc, je vais me faire de la monnaie. J'ai un billet de 50 ici. Tuc, comme ça, je n'en ai plus. Ouais. Voilà, voilà. Là, je vais me refaire 1, 2, je mets un billet de 20 là, 1, 2, je mets un billet de 20 là, 1, 2, un billet de 20 là. Voilà, ce sera plus clair pour moi. Donc, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 200, 210 euros dans le mois bonus. Donc ça, c'est pour mon budget pour les poulets, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc 210 euros de bonus. Je vais tout de même rajouter dans mon enveloppe bonus, qui servira aussi pour Noël, etc. si besoin, tout ce qui est change en défi. Ah, j'avais des billets de 5 aussi dans le jeu. Maintenant, je suis dans les défis de 5 euros. Je me suis trompée de classeur. Excusez-moi. N'importe quoi. Pardon. Mais si, mais moi, je sais plus ce que je fais à la force. Donc, le défi des centimes, il y a 10 euros ici. Tac. Là, il y a 10 euros ici dans le défi des 1 euro. Je vais tout ressortir. Alors pour vous, ça paraît peut-être un micmac, mais pour moi, ça va. Hein. C'est pas de problème. Ça m'évitera de ressortir des sous, en fait. En trop. Enfin, en trop, non, mais on n'en a jamais trop. Mais... Ça m'évitera de ressortir des sous. Voilà. Et le 50 des billets de 5 euros. Voilà. Comme ça, ce que je ne dépense pas, ce mois-ci, je le mettrai de côté. Voilà. Alors, du coup... On va pouvoir passer au budget du mois de décembre. Et
je vais pouvoir remplir mes enveloppes juste après. Je vais juste récupérer 50 euros ici si je peux. Voilà. 50, 20, 20, 10 et 20 égale 50. Voilà. Ce sera mieux. Donc j'ai toujours la même somme pour le mois bonus. Vous l'avez bien vu. Je l'ai bien vu, on l'a bien vu, tout le monde l'a vu. Voilà. Hop. Alors, c'est parti. Je noterai plus tard ce que j'ai remis dedans. C'est tout un micmac, mais ça va bien se passer. Tic, tic et tic. Et tac, et tac, et tic. Ok. Tac. Donc, le budget du mois de décembre. Alors, ça y est, me voilà armée de mon planeur de budget. Donc, nous disions le mois de décembre 2022. Alors, en revenu, vous le savez, j'ai pas grand-chose puisque j'ai décidé que mes indemnités journalières iraient sur un compte à part et que je mettrai le surplus par rapport à un budget du mois dernier de 1000 euros, je crois, sur ce compte en question. Donc, tout simplement, je vais essayer de voir pour vous zoomer ça. Hop, je vais poser ça là, je vais décaler ça. Voilà. Je vais vous zoomer ça si je peux. Donc, voilà. Pour le mois de décembre, donc j'ai décidé de prendre dans ma réserve de budget. Ça y est, j'ai ma réponse pour le chômage. Donc je sais combien je toucherai par mois, mais comme je compte pas rester au chômage, on va dire que tout ça ira sur mon compte sur le côté. Donc sur mon LDDS, puisque c'est là que je mets ma réserve budgétaire. Donc réserve budget, donc j'ai prévu 1000 euros. Le montant réel sera de 1000 euros. J'ai aussi, normalement, mais je vais le mettre en rouge, la prime d'activité de 155 euros et éventuellement du chômage à hauteur de 190 euros. 180 euros, pardon. Normalement, hein. Vous allez comprendre pourquoi je mets ça en rouge. Vous inquiétez pas, ça va venir comme explication. Donc, on va se baser sur 1000 plus 155 plus 180 euros. Donc, ça me fait 1335 euros au total. Et ça, c'est pareil. Je vais mettre 1335 en rouge ou 1000 euros. Donc, tout simplement, moi je me suis basée pour le moment uniquement sur ce qui est sûr, donc c'est-à-dire les 1000 euros. Pour la simple et bonne raison que si je me base sur ma prime d'activité plus mon chômage, je ne suis pas sortie. Il y a juste une chose qui peut changer, c'est si j'ai ma prime d'activité. Le chômage, en fait, je ne le compte pas pour ce mois-ci, j'ai pas envie. Si j'ai ma prime d'activité, dans ce cas-là, il y aura des nouvelles choses qui seront ajoutées, mais je les mettrai en rouge tout à l'heure. Je vous ferai voir. Donc, pour la suite de la vidéo. Donc, on a ici les prélèvements automatiques. Donc, les frais de banque, j'en ai toujours pour 10 euros. L'assurance vie, j'en ai toujours pour 50 euros. Voilà. L'assurance auto, toujours 22 euros. Le forfait de téléphone, 43 euros. D'ailleurs, ça m'énerve, mais bon, c'est autre chose. Ce qui me fait un total de 125 euros. Ah, je viens de recevoir un message. Là, excusez-moi, j'ai reçu un message du coup. Et donc, je regardais ce que c'était. C'est pour me dire que justement, mon poulet est arrivé, enfin, sera disponible à partir du 6 décembre. Donc voilà. Du coup,
Donc, je vous disais 125 euros. Voilà, au total, en prélèvement auto. Ensuite, les dettes. Donc, mon ex, il me reste toujours 500 euros à rembourser. Mais ça dépendra de ma prime d'activité. Si j'ai ma prime d'activité, je rembourserai 50 euros, ce qui me ferait 450 euros, soit un total de 50 euros à lui donner pour ce mois-ci. Donc c'est là que ça sert à quelque chose, la différence de couleur. Ensuite, les enveloppes. Donc ce mois-ci, comme je vous l'ai dit auparavant, je pars sur un budget de 5 semaines. Parce que je me suis foirée dans mon mois de novembre, que j'avais compté que 4 semaines, alors qu'en fait il y en a 5. Donc du coup, plutôt que de foutre le brin dans mon organisation, j'ai décidé de mettre une 5 semaines dans le mois de décembre, pardon, et donc de la commencer aujourd'hui, c'est-à-dire le 28 novembre 2022. Donc, alimentation semaine 1, 100 euros. Alimentation semaine 200 euros, semaine 3, 100 euros, semaine 4, 100 euros, semaine 5, 100 euros. Noël anniversaire, j'ai décidé de mettre 50 euros. Santé, 10 euros. Animaux, 20 euros de plus. Week-end des vacances, 100 euros. Jeux, 10 euros. Voiture, 20 euros. Et divers, 10 euros. Ce qui me fait un total ici, normalement, de 720 euros. 720. Donc 720 euros, comme je vous disais juste avant. Donc à noter que la seule chose disponible, enfin, les seules choses qui pourraient rester dans le budget par l'avenir, qui sont obligatoires selon moi, c'est l'alimentation, les frais automatiques et week-end des vacances et Noël et anniversaire. Le reste et voiture aussi. Le reste, c'est pas obligatoire, c'est du superflu. Mais je pars du principe que j'ai quand même le droit de me faire plaisir et de faire plaisir à mes proches. Mais pour 2023, il y aura des choses qui vont changer. Ensuite, les épargnes virtuelles. Les épargnes virtuelles. Nous avons donc le LEP pour un montant de 100 euros, ce qui me fera 3100 euros au total dessus. Et la réserve budgétaire, mais du livret A. Voilà, donc 50 euros. Donc le total, ça, on s'en fout. C'est jamais fixe. Voilà. Ensuite, du coup, si jamais j'ai la prime d'activité, pardon, il me resterait 100 euros. 100 euros. Moi, je vais vous le montrer de toute façon. Ça va être plus simple. Donc, 1155. Non, ça, c'est pas ça. Hop là. Donc, c'est 1000. Ou 1155 ou 1335, voilà, parce que là c'est si j'ai le chômage, donc clairement voilà. Prélèvement automatique, ou du 190 euros, dont 180 irait en réserve budgétaire sur mon LDDS du coup. Voilà. Hop, je vais vous dézoomer un peu. Voilà. Donc, ça, c'est pour le mois de décembre 2022. Ok. Donc, je n'ai rien oublié normalement.
Donc on sait que soit j'aurai 5 euros, soit j'aurai 10 euros, soit j'aurai 10 euros puisque je mettrai 180 en réserve budgétaire. Alors ensuite, nous allons partir sur le remplissage que je fais de ça. Donc ça va aller se mettre quelque part. Je vais remplir mes défis. Enfin, mes défis, n'importe quoi. Donc la sœur de budget, du coup. Donc alimentation, j'ai dit que je mettais 100 euros pour la semaine 1. Donc là, il y a 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a 50 euros. Tac. Plus, hop là, 10 euros. Plus les 40 euros qui sont ici, du coup. Les 40 euros qui sont juste ici vont dans l'alimentation pour cette semaine. J'ai dit que j'avais 10 euros. Hop, un mot, j'ai dit 20 euros. Oui, 20 euros. Hop, donc là, j'ajoute 10 euros. Ici, je vais rajouter. Ensuite, je vais rajouter quand même. Ensuite, je vais quoi, j'ai fait. Un jeu, je vais, un mot, c'est fait. Hop, divers, c'est fait. Et puis voilà, c'est aussi. Ensuite, les images de l'information, vous savez, je vais les faire, je vais les faire. Ah, donc, pour les faire, je vais les faire. Je vais les faire. Je vais les faire. Voilà. Ouais, 100 euros, c'est parti, 50. Hop, 100 euros, quand même. 200 euros. 50 euros. Ouais, mais ça, c'est bon. La santé, j'ai 10 euros. Hop, je suis parti, 10. Ensuite, mes amours, c'est déjà fait. Tac, j'ai gagné d'avance, 100 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 100 euros. 100 euros. La voiture, 20 euros. Ça fait 40 euros de total. Voiture, 20 euros. Et c'est tout ce que j'ai à remplir pour cette semaine. Donc, il me reste 20, 40. 50, 60, 70, 80, 90 euros. Il me reste 90 euros à répartir du coup. Donc, bah, ouais, je vais les mettre dans Bonux du coup. Voilà, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc dans Bonux, et ça me fera 300 euros de bonus au total. 50, 100, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 260, 70, 80, 90, 100, 300 euros du coup dans le mois bonus. Voilà. Je vais peut-être me faire une enveloppe retour banque, enfin une enveloppe banque, pardon, tout simplement pour ce serait pas con ça, pour comment dire, quand j'ai des billets en trop, en plus des billets de mois de novembre, enfin par exemple là c'est pas en trop, on va dire, disons juste que je peux garder une réserve de billets pour une semaine suivante ou quelque chose comme ça. Et je vais voir, je vais réfléchir à la question. Bref, cette vidéo n'a que trop duré. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite un bon mois de décembre. J'espère que votre mois de novembre a été fructueux et que vous avez pu faire de jolies économies. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine!